Je m'y attendais. Voilà. Je suis désolée. Merci quand même. Mais je vais quand même essayer de répondre parce que je suis. Voilà. Attendez, la première c'était quoi déjà? Ah voilà. Non mais moi je sais très bien ce que c'est d'être une spectatrice, mais je sais aussi très bien ce que c'est d'être une actrice. Et c'est absolument pas la même chose. Donc moi j'ai une mémoire de spectatrice qui n'a rien à voir avec la mémoire d'actrice. Donc vous pouvez me demander ce que je pense, si je me souviens d'un film que j'ai vu comme spectatrice. Mais moi les rôles que j'ai faits, c'est que ça n'appartient pas, ça appartient à ceux qui les ont vus, mais au fond beaucoup plus qu'à ceux qui les ont faits. Voilà. Donc ça ne laisse aucune trace et j'en préfère pas un plus que l'autre. Ça n'a d'intérêt que sur le moment où je le fais, mais ça n'a pas d'intérêt après. Voilà. Traduire cette partie. Donc, la première pergunta dele foi a respeito dessa possibilidade que ela tem hoje de poder escolher filmes e se isso se torna cada vez mais difícil porque a exigência sobe. E qual foi o filme na trajetória dela que mais impactou, que mais ficou, que ela tem um afeto particular? E a pergunta também se no futuro ela gostaria de ter, tem algum ideal de filme, algum personagem que ela gostaria de fazer. Ela falou, infelizmente eu vou responder não às duas, não sei, às duas perguntas, porque ela disse que um filme que ela já fez não pertence, ela enquanto espectador ou enquanto atriz, ela percebe que um filme passou, ele já foi feito, então não há mais... Ele pertence a quem viu o filme, não a ela quem fez. Muito mais a quem viu e a quem aproveitou do que a quem fez. Então ela não pode definir isso. Agora ela vai responder sobre o futuro. La seconde question, c'est dans le futur, s'il y a un projet ou quelque chose qui vous ferait rêver, ou vous avez dit non non plus. Qu'est-ce que j'aimerais que vous propose? Non, j'attends que ça vienne. J'ai pas de désir en particulier. J'attends de rencontrer des gens surtout. J'attends pas des rôles, j'attends de rencontrer. C'est ce que je fais d'ailleurs. Mais après les rencontres, elles sont un peu. Parfois elles sont fortuites, parfois. Voilà. Mais j'attends pas un sujet ou un rôle en particulier. Non, pas du tout. Non, elle non espère un papel en particulier ou un assunto en particulier. Elle apenas espera que venha. Eles vêm e através deles os encontros, que é o que interessa a ela, encontrar pessoas novas e viver novas experiências.